Bonjour à tous. Parachat Hachavoua, parachat Balak, la nutrition dans la paracha. Un petit passouk, très intéressant de cette paracha. D'ailleurs, c'est le troisième. Donc la paracha de Balak, évidemment, Balak engage Bilam. Il essaye de maudire Israël et finalement, tout lui retombe sur sa tête. Il a voulu maudire, il est sorti Mevarer, comme disent les Chachamim. Donc il a béni à travers sa bouche. Troisième passouk de la paracha nous dit la chose suivante. Je vais tout de suite traduire, ne vous inquiétez pas. Vayover Moav, el zikne midian. Ata yelachachu akal et kol sevivotenu, kil choch hashor et yere kasade, ou balak ben tzipor melech le Moav baetai. Littéralement. Et Moav dit aux enfants de Midian, bientôt cette multitude aura fourragé tous nos alentours, comme le bœuf, ou plutôt le taureau, shor c'est le taureau, fourrage l'herbe des champs. Or Balak, fils de Tzippor, régnait sur Moab à cette époque. Top. Métaphore assez intéressante, le taureau avec Yerek Asadé, littéralement qui veut dire les légumes des champs. Ok. Pourquoi cette métaphore? Pourquoi le taureau? On va voir tout de suite. Évidemment, Rashi nous illumine, il nous dit une chose fondamentale du monde animal. Kol ma'asha shor melachech, Enbo siman bracha. Tout ce que le taureau fourrage, donc l'herbe et les, surtout les yerakotes, puisqu'il mange des légumes ou l'herbe du pâturage, il n'y a pas de bracha dedans. Ok, ça c'est le taureau. On connaît la force du taureau, mais il y a un autre commentateur assez intéressant qui va nous donner une définition caractéristique au taureau lui-même en tant qu'animal. Écoutez bien. Da'at zekenim. Mitor shen lo shinaim le mala. Le taureau, il a une caractéristique intéressante. Il n'a pas de dents supérieures. Et à cause de cette raison-là, veno yachol achtor a asavim kmosus vechamor. Puisqu'il n'a pas de dents supérieures, il ne peut pas couper les herbes. Comme le sous, le cheval, et le chamor, l'âne, qui apparemment, eux, ont des dents supérieures. Vekocho gadol, oker ha'asavim v'ashorashim. Le taureau est tellement puissant qu'avec sa force, il arrive à déraciner, à décimer les légumes ou les herbes que lui mange. Ok, quel rapport avec la nutrition dans la paracha? On va le voir tout de suite. Donc, la force du taureau, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, même s'il n'a pas les moyens pour réussir. Vous savez, beaucoup de gens me disent, « Shalom, c'est dur de vivre en bonne santé. On est occupé, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps de manger correctement, on n'a pas le temps de boire de l'eau, on n'a le temps de rien. » Alors, je vous donne une petite astuce. Premièrement, pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut aller jusqu'au bout des choses. Dans la vie qu'on veut réussir, on se met un objectif et on y va. On fonce. Comme le taureau. Le taureau, quand il fonce, il a un objectif. C'est se nourrir. L'objectif vital de l'humain doit être se nourrir correctement. De plus que la Torah nous dit, ou bacharta bachaim, tu dois choisir la vie. Aujourd'hui, les études scientifiques le savent, le monde scientifique le sait, que vivre correctement, avoir une bonne hygiène de vie, ça nous permet d'économiser des maladies. Et surtout, de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Manger des légumes, yirakot, et yirek asadé, aller jusqu'au bout des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire être connecté à la terre et avoir une nutrition qui est le plus naturelle possible, qui est plus proche de la terre. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, etc., etc. Les fibres nutritives, on en a parlé déjà. Mais c'est un petit rappel, comme le taureau. Cette métaphore, elle est extraordinaire, je trouve. Évidemment, merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir la Torah pour nous illuminer et nous donner toujours ces petits clins d'œil pour pouvoir progresser et avoir une parfaite santé. Shabbat shalom à tous. À bientôt.